Audrey Lamy était présente ce mercredi 17 janvier au Festival de l'Alpe d'Huez, pour soutenir en famille sa nièce Chloé Joinet, pour la projection de son premier film en tant que réalisatrice. Elle était accompagnée de son compagnon, dont les apparitions se font très rares. Ce mercredi 17 janvier 2024 était un jour important pour Chloé Joinet. Car celle qui est avant toute actrice vient de présenter au Festival de l'Alpe d'Huez son tout premier long métrage, Allez ma fille. En tant que réalisatrice, donc. Un événement que n'aurait loupé pour rien au monde son père Thomas, ainsi que ses sœurs Mado et Issé. Sa célèbre tante Audrey Lamy était elle aussi présente pour l'encourager. La sœur d'Alexandra Lamy, vêtue d'une chemise colorée, était accompagnée de son séduisant compagnon Thomas Sabatier, paré quant à lui d'une veste beige glissée au-dessus d'un t-shirt blanc. Ce qui est suffisamment rare pour être souligné, tant il s'agit d'un couple discret. En effet, il n'existe pas beaucoup de photos du duo, la plupart ayant été prises dans les tribunes de Roland-Garros, un tournoi qu'il semble, comme de nombreuses personnalités du pays, beaucoup apprécié. Ils ont également foulé le tapis rouge de la 41e cérémonie des Césars au Théâtre du Châtelet à Paris en 2016, leur seule sortie officielle. Pour rappel, c'est en 2008 que les deux tourtereaux se sont rencontrés. À l'époque entrepreneur spécialisé dans le marketing viral et les médias sociaux, Thomas Sabatier, aujourd'hui PDG de l'entreprise baptisée Big Mitch, a su charmer l'actrice, qui n'était pas encore connue du grand public. On se coach, on se soutient. Il est posé, carré, beaucoup moins extrême et jaloux que moi, avait déjà confié l'ancienne star de scène de ménage à nos confrères de Téléstar, à propos de son chéri. Audrey Lamy maman de deux enfants ensemble, ils sont parents de deux enfants, Léo, 2016, et une petite fille dont on ne connaît pas le prénom, 2021. Entre ces deux naissances, ils ont vécu une terrible épreuve avec la perte d'un bébé. C'était en février 2020, alors qu'Audrey Lamy était presque au terme de sa grossesse. Un moment difficile dont ils ont toutefois su se servir pour avancer. Aujourd'hui, ils semblent très épanouis. Audrey Lamy semble être une maman comblée. Elle profite aussi de sa carrière d'actrice, elle qui est d'ailleurs ravie d'assister à l'Alpe d'Huez cette année. Ce concept de manger de la raclette en moon boots, jeans, et regarder des comédies toute la journée, si est-il génial, vient-elle de déclarer sur les ondes de RTL. Tout va pour le mieux, donc.